se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Diamond Painting. Je vais vous montrer aujourd'hui, malgré que j'avais déjà fait cette vidéo, donc il y a maintenant 4 ans. Voilà, j'avais déjà fait la même vidéo il y a 4 ans. Mais bon, c'était mes débuts dans YouTube. Donc, elle est de très mauvaise qualité. J'étais pas encore... Bon, je suis toujours pas une pro hein, de YouTube, loin de là. Mais, je viens de voir un petit truc là que je vais corriger après. Donc, j'ai décidé de refaire cette vidéo parce qu'on me l'avait demandé. On va encadrer un kit terminé, bien sûr. C'est mieux hein, s'il est terminé. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors, pour cela, il vous faut un kit. Donc, moi, je vais faire un ancien kit que j'avais terminé depuis un petit moment. Voilà, celui-là. Vous voyez ? Donc, c'est un 50-50. J'espère que je ne me trompe pas dans la taille. Je vais mesurer. Alors... Oui, à peu près. Donc, je vais voir avec le cadre. Donc, je disais, c'est un 50-50. Oui, c'est marqué dessus. C'est comme le port salut. il vous faut un cutter, une paire de ciseaux, ça peut servir, et un rouleau. Donc, moi, je prends mon rouleau à pâtisserie. Ça sert à rien d'aller acheter les rouleaux exprès sur AliExpress ou tout autre site, malgré qu'ils ne coûtent pas cher. Ça sert à rien d'aller en acheter un. Vous avez ce qu'il faut à la maison. Si on peut éviter les dépenses, c'est très bien. Un tapis de découpe et, viens par ici, toi, un cadre. Voilà. Donc, moi, c'est un cadre Milo Inspire. 50-50, donc ça c'est un cadre que j'avais acheté chez Leroy à Merlin. Donc j'avais dû payer dans les 12-13 euros, je crois, un truc comme ça. Donc ça fait un moment que je l'ai aussi. Et j'attendais pour encadrer. Parce que ce kit, j'ai eu... La colle était de très mauvaise qualité. Et donc, là, je viens justement de remettre des perles qui avaient sauté. Et là, je viens de m'apercevoir qu'il y a une perle qui est à l'envers, qui ne devrait pas être. Donc, voilà, hop, je vais la remettre à l'endroit. Ce sera mieux. Alors, comme je n'ai pas mon stylo à perles ici, je n'ai que la pince. C'est pas facile. Allez, remets-toi. J'aime pas travailler à la pince. Voilà. Et bien sûr, celle d'à côté, elle va bouger. C'est pour ça, je bouge une perle. Il y en a toutes les celles qui sont autour, elles bougent. Donc, voilà. Bon, on va essayer. Donc, j'ai rebouché les perles qui étaient parties. Donc là, j'espère qu'en encadrant, ça ne va plus bouger. Il est super beau hein, ce kit, mais là, la colle était de très mauvaise qualité. Pourquoi, je n'en sais rien. Mais bon, ça arrive. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, je vais me lever, je vais changer la vision de la caméra. Attention, mes gros doigts. Hop, on va bien visser. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Donc d'abord, je vais passer tout doucement sur ce kit-là parce que je vous dis, comme les perles bougent, et moi je suis pas, je mets pas de vernis, beaucoup mettent du vernis, de la laque, moi non. J'en mets pas puisque j'encadre sous verre, donc je trouve que ça sert à rien. Là du coup je ne peux pas brosser mon kit pour enlever les éventuelles poussières qu'il y aurait, mais bon, il était sous une protection plus dans un carton à dessin,
Donc normalement, il n'a pas pris la poussière. Sinon, vous pouvez brosser un petit peu votre kit doucement avec une brosse douce pour enlever les petites poussières. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. On entend les perles qui se recollent. Donc là, mon rouleau à pâtisserie, c'est un rouleau en silicone. Avec la partie du milieu qui roule. Donc il est bien pratique. On entend que ça craque. Ça enfonce toutes les perles. Je vais faire le haut après. Un fil. En plus, le silicone, justement, il me ramasse les poussières. Donc, ça me fait double emploi. Bon, je vous rassure, après, il va passer au lavage, hein, mon rouleau à pâtisserie. Je ne vais pas aller m'amuser à faire un gâteau tout de suite après. Alors, je donne quand même un petit peu de puissance sur mon rouleau pour que, que les perles s'enfoncent. Hein. Et là, déjà en regardant comme ça, par rapport au là que je n'ai pas encore fait, on voit que les perles sont déjà bien remises en place. Donc maintenant je vais faire le haut. Un cheveu. Alors moi je perds mes cheveux, donc c'est un peu difficile quand je fais du diamond painting, ça vient se coller. Et voilà, donc la première partie est faite. Alors la deuxième partie, ça va être de couper les bords. Donc, je vais mettre mon diamant dans le bon sens de la... Voilà. Et on va couper tout le long. Alors, il y a un cutter qui coupe bien. Hein. À ras des perles, n'ayez pas peur, mais allez-y doucement.
Donc, si vous avez peur de ne pas aller droit, faites-le avec une règle. Ça, je vais la couper au ciseau. Voilà la première partie. Et on fait ça sur les quatre côtés. Voilà. Donc mes quatre côtés sont coupés. Vous voyez. Donc maintenant, je vais m'occuper du cadre. Je vais mettre le kit sur le côté. Voilà. Tous les petits crochets. Avec le ciseau, ça fait moins mal aux doigts. Alors quand vous mettez votre kit, faites bien attention dans quel sens vous le mettez. Hein. C'est quand même important. Première partie. Le papier, moi, je ne le jette pas. Ça, je ne le jette pas non plus. Ça peut servir. C'est le... Je ne sais plus comment on appelle ça, je ne sais plus. Bon, enfin. Alors, je vais regarder si mon kit rentre bien. Alors, vous voyez, mon kit va être un peu plus petit, mais pas beaucoup. Il ne va pas être beaucoup plus petit. Donc, ce que je vais faire, je vais me servir de ça, ici, pour le fixer dessus, d'abord. Ouais, je vais fixer là-dessus. Bien au milieu. Voilà, j'aurai un petit tour blanc, mais bon, ça rien. Vous voyez, voilà pourquoi. Donc, il me disait un 50-50, mais il fait plutôt 48, hein, mon kit. Donc, j'espère que je ne vais pas perdre de perles. Normalement, non. Je vais mettre du double face sur mon kit. Mais bon, 48, ça n'existe pas, hein. Donc là, je n'ai pas le choix.
Donc même si votre kit est à la bonne taille, vous pouvez mettre du double face. Comme ça, vous êtes sûr qu'il va bien tenir, puisque le kit est quand même lourd avec les perles. Au moins, comme ça, il ne bougera pas. Alors, on va d'abord enlever celui du haut. Oh, vivement que j'ai terminé les doubles phases d'action, hein, parce que j'en ai marre. Voilà. Je cherche toujours le nom du carton, mais je n'ai pas retrouvé. Je vais vous le mettre ici, sous la vidéo. Voilà. Ouh, j'ai une perle qui est tombée. Deux perles. Ben voilà. Je me doutais. Alors, elles sont tombées où, ces petites ? Maintenant, pour les trouver, ça va être un cauchemar. Elles ont dû tomber dans le bas puisqu'elles sont là. Ah, voilà, j'ai trouvé. Ah, j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils sont encadrés et qu'ils ne bougent plus ce kit. Et la deuxième est là-bas. Voilà. Voyez, je vous le disais qu'il était de mauvaise qualité. Je vais me servir du rouleau à pâtisserie. Voilà. Voilà, et le dernier.
Ça va être le dernier qui va m'embêter le plus, hein, vous allez voir. Voilà. Voilà. Donc, mon kit est fixé. Donc maintenant, je vais pouvoir le mettre dans le cadre avec délicatesse à cause des perles. Oui, oui, j'arrive. Voilà. Je remets quand même la feuille blanche. Et je n'ai plus qu'à mettre la protection en bois, enfin c'est du bois compressé. Désolée pour la petite coupure. Donc j'étais en train de mettre ma plaque de bois pour terminer l'encadrement. Ça c'est le plus chiant à mettre avec les petites attaches qu'il y a en dessous, ça va toujours d'un côté et de l'autre. Voilà, donc il ne reste plus qu'à mettre. Ce sera plus plat. À refermer les attaches. La petite dernière. Et voilà. Donc ça c'est votre crochet hein, pour accrocher le mur, mais ça vous savez. Et voilà. Mon cadre est fait. Donc là, ça ne bougera plus. Mes perles ne vont plus bouger. Maintenant, je suis tranquille. J'en ai une qui a bougé, qui s'est mise à l'envers. Bon, ça y est, je vais décadrer après. Et je remettrai bien la perle. Sinon, en marchant vite devant, on ne le verra pas. Non, je vais l'enlever et le refaire. Donc voilà, attendez, je vais vous bouger un peu. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Hop, on va essayer de ne pas faire briller. Donc voilà le cadre que ça donne. Bon, là, ça va me faire une petite bordure blanche tout autour. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas... j'ai toujours pas trouvé le nom, hein, mais je vous l'ai mis tout à l'heure en dessous de la vidéo. Je vous le remets ici, la petite plaque de carton. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, pour ne pas avoir un blanc autour, c'est de prendre un joli washi qui rappelle les couleurs de votre kit. Et dans ce cas-là, autour, vous fixez votre diamond painting sur la plaque de bois directement. Et autour, vous mettez un joli washi, comme là, et bon, il y a beaucoup de rose. J'aurais pu mettre du rose, par exemple, ou alors du bleu, et mettre tout autour. Et comme ça, vous n'avez pas un trait blanc autour. Mais bon, là, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne fait pas moche. Donc, c'est très bien comme ça. Voilà. Donc, on va se rasseoir pour que je vous voie mieux. Donc voilà, le cadre donc, que l'on aura encadré ensemble. Donc j'espère que vous saurez maintenant comment on peut encadrer très simplement un kit de diamond painting. Hein.
et en plus l'encadrer sous un cadre qui a une plaque de verre. Moi, je les encadre tous comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Au moins, les perles sont protégées. Elles ne vont pas se décoller. Elles ne vont pas prendre la poussière. Là, maintenant, je suis tranquille très, très longtemps. À moins de faire tomber le cadre, hein, mais bon. Mais au moins, là, je suis tranquille pour très longtemps. Elles ne vont pas s'abîmer. Les couleurs ne vont pas s'abîmer non plus. Et on voit quand même le brillant des perles. Voilà. Alors, malgré que là, j'ai galéré pour les perles, comment, qui ne sont pas toutes vraiment à la même surface à cause de cet ennui de colle sur la toile. Là, bon, ça va quand même. On voit des tout petits défauts, mais bon, mais là, c'est pas moi, c'est le kit qui était comme ça. Mais bon, il faut vraiment mettre le nez dessus pour le voir. Et moi, je le vois parce que je le sais. Voilà. Mais sinon, quelqu'un qui va passer devant le cadre chez moi, je pense qu'il ne le verra pas, qu'il ne fera pas attention. Voilà. Donc là, il me reste deux kits encadrés. Il me reste la japonaise et les loups blancs. Mais là, bon, je vais attendre parce qu'il me faut des cadres. Et là, pour l'instant, je n'ai pas les moyens d'acheter des cadres. Et là, c'est des grands cadres qu'il va me falloir. Donc, dès que je pourrai, bah, j'achèterai des cadres. Et puis, je ferai... comment? Et je ferai l'encadrement. Et là, il me reste un vieux kit à finir. Je vais vous montrer. Hop, il y a ici. Alors, il est commencé depuis très, très, très longtemps. Il ne me reste pas grand-chose à faire. Voilà, c'est celui-là. Et j'ai vraiment plus grand-chose à faire dessus. Il me reste quoi? Peut-être, on va dire 200 perles. Bon, grand max. Bon, allez, je vais dire 300. Pour être large à faire. Vous voyez, la longue, en plus, il s'est abîmé, il s'est plié. Mais bon, ça, c'est pareil. Je vais le remettre bien, bien à plat. Il s'est plié ici. Et donc, il faut que je termine. Et après, il passera l'encadrement aussi. Mais celui-là, il va falloir que je le mette bien, bien à plat avant l'encadrement. Parce que là, du coup, les perles ont pris le pli. Ont pris le mauvais pli. Et donc, il va falloir que je rebouge mes perles un peu là où ça a pris le pli pour pas que ça se voit au moment de l'encadrement. Mais celui-là, il commençait depuis 2 ans. Oui, j'ai pas fini. Et j'ai pas fini parce que à ce moment-là, mes lunettes ne commençaient à plus aller. Et donc, je n'arrivais plus à voir. Et avoir les symboles. Voilà. Donc là, ça va un peu mieux. Je les vois maintenant. Donc je vais pouvoir finir. Je vais d'abord finir mon Bouddha. Et ensuite, je terminerai celui-là. Voilà. Mais là, bon, je suis contente. C'est déjà d'avoir encadré celui-là. Je le trouve magnifique. Donc je ne sais pas où il va aller. S'il va aller en bas, en haut. On va voir. On verra bien. Donc voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura bientôt une... Enfin, bientôt. Il faut que je termine mon Bouddha avant. Il y aura une autre vidéo spéciale encadrement. Là, ce sera une autre technique. Parce que la boutique partenaire qui m'avait envoyé le Bouddha m'a envoyé également l'encadrement pour l'encadrer. Donc là, c'est notre technique. Donc, je vous ferai également la technique de cet encadrement-là. Là, ce n'est pas sous verre. C'est un encadrement en bois. Donc, je vous montrerai, je vous ferai le tuto comment faire le montage pour cet encadrement en bois sur mesure. Voilà. Mais là, bon, il faut que je termine mon Bouddha avant pour pouvoir vous le montrer. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. On est dimanche, donc un bon dimanche, mais vous verrez la vidéo
On sera déjà lundi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bisous, bisous.